Plus de 600 km de routes de desserte agricole devront être réhabilitées dans le Kasaï oriental. Cet appui considérable pour la réussite agricole est l'œuvre du gouverneur provincial. La gouverneure intérimaire a personnellement lancé mercredi les travaux dans les territoires de Loupatapata. Les 5 autres territoires de la province sont pris également en compte dans ces projets exécutés par l'Office de voie des dessertes agricoles. C'est à Loupatapata, sur la route allant de Tshibombo à Bakamba via Tshilundé, que la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental a lancé les travaux. Travaux qui consistent en l'entretien de plus de 600 km de pistes rurales. Tous les 5 territoires de la province sont pris en compte dans ce programme d'entretien routier 2021. Marcel Kalala est le directeur provincial de l'OVDA, Kasaï oriental. Pour ce qui concerne les pistes, nous allons faire les débroussaillages, traitement et stabiliser les bourbiers, supprimer des ravines, recharger les ornières avec du bon matériau, tirer les saignées et les fossés, désherber les abords, élater les arbres, désensabler en cas de besoin. Et pour les ouvrages d'art, nous allons faire la suppression des risques d'enfouillement, prévention des érosions, des talus, plantation du gazon, recharger des remblais d'accès au pont, renouveler les peintures sur les parties métalliques du pont, tirer les bises et les galops. L'Office de voie de desserte agricole a 3 mois pour remettre en état une partie de son réseau. Pour le ministre provincial de l'Agriculture et du Développement Rural, cette intervention devrait faciliter l'évacuation de produits agricoles vers le centre de consommation. Motif de satisfaction pour la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longamusamba, qui appelle la population à s'approprier les présents travaux. La joie sera grande de constater qu'à la longue, nos routes sont plus praticables et toutes en toute saison. Pour ce faire, j'exhorte mes frères et sœurs, vous qui êtes bénéficiaires directs de ce programme, tant entendu, de vous comporter en toute responsabilité, surtout en respectant les stricts principes de l'OVDA. L'autorité provinciale a émis le vœu de voir d'autres partenaires venir en appui à l'OVDA pour un entretien régulier de voies de desserte agricole.